Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo où je viens vous parler de trois produits Avène que j'ai commandé dans mon free store sur le site donc Optoly via Optoly. Donc Avène m'ont accordé trois produits. Donc je remercie Optoly et je remercie Avène et je viens vous en parler. Comme vous savez, on a 15 jours pour tester les produits et ces trois produits, dès que je les ai testés, dès même le premier jour, ou pour celles qui me suivent sur Snapchat qui est en barre d'infos, vous avez pu voir en live certains tests et certaines de mes réactions. Donc là, je dois bien évidemment poster ma vidéo, mais je voulais aussi vous en parler et vous dire que c'est vraiment trois produits coup de cœur. Je vais vous les faire un par un. C'est parti. Produit tout d'abord que j'ai commandé dans mon free store, c'est le gommage doux de chez Avène. Je me suis posé la question. La première question, est-ce que les grains vont être gros ou petits? Parce que j'ai une peau très fragile. Je vous ai fait rire, certaines ont rigolé. Parce que moi, quand je me fais un gommage sous la douche, je me gomme pas que les jambes et les cuisses. Hein. Donc ça va être toute la partie du haut. Donc je disais aussi même les doudounes. Et certains grains, comme la peau est beaucoup plus fragile à cet endroit-là, c'est beaucoup plus délicat. Et bien avec celui-ci, top, vous pouvez foncer les filles. C'est un gommage qui est vraiment très doux. Il exfolie bien, ça ne vous fait pas mal. Si je peux vous montrer. Alors au début, je croyais que donc c'était au niveau... oui, il est arrivé là, hein, on y va, sous la douche. Au niveau du packaging, je le trouve plutôt sympa. Et en fait, quand on sort le produit, c'est exactement la même chose. C'est un gel avec des produits, des petits grains. Rose. Ouh là, j'en ai mis un petit peu beaucoup, ma fille. Je sais pas ce que tu as fait là. Donc, vous voyez, je sais pas si vous voyez, gel avec des tout petits grains. Ça coule, ça coule, ça coule. On va enlever ça tout de suite avant de faire des bêtises. Et ça fait vraiment une exfoliation douce. Et j'ai été surprise en même temps quand je me suis exfoliée sous la douche, c'est que ça mousse quand même, je trouve, moi, un petit peu. En tout cas, j'aime beaucoup ce produit-là. Je sais qu'une fois terminé, je le recommanderai. Voilà. Ensuite, c'est parti pour le deuxième produit. Le deuxième produit, ça tombait bien. J'avais demandé de tester le gommage pour le visage parce que je me retrouvais sans gommage pour le visage ni masque. Le gommage m'a été refusé, mais j'ai pu avoir le gommage doux pour le corps. Donc, j'essaierai de l'avoir, d'aller dans ma parapharmacie pour le tester. Parce que vu que le gommage pour le corps, il est bien. Là, j'ai pu avoir le masque qui se présente comme ceci. C'est un masque doux hydratant. C'est-à-dire que vous allez venir l'appliquer, le laisser poser 10 à 15 minutes. Mais c'est beaucoup plus 10 parce que 15 minutes, en fait, vous n'allez plus rien avoir si vous avez une peau déshydratée comme la mienne. Là, pareil, je vous ai expliqué, donc je l'ai appliqué, je vous ai fait le crash test sur Snapchat en vous montrant comment je l'appliquais avec mon pinceau Sephora. Il s'applique très bien, on avait un effet frais et au bout, moi, de 10 minutes, je vous ai montré après, j'avais certains endroits où ma peau avait complètement absorbé le produit. Ensuite, on enlève au bout des 10 ou 15 minutes suivant votre envie. On l'enlève et là, on ne le rince pas du tout. Donc moi, j'ai continué de masser et j'avais vraiment une bonne sensation d'hydratation. Donc pareil, c'est une super belle découverte. Je vous le conseille aussi pour toutes les personnes qui ont un manque d'hydratation, même les peaux grasses. C'est pas parce qu'on a une peau grasse qu'on n'a pas besoin d'hydrater sa peau et de la nourrir. Ensuite, le troisième produit, c'est mon gros coup de cœur. Le troisième produit, c'est un nouveau produit dans la gamme de chez Avène, c'est l'hydrance optimale légère, c'est un perfecteur de teint. Là, quand j'ai vu ça dans mon free store, je me suis dit, oh là, perfecteur de teint, bébé crème, CC crème, ça va ressembler à quoi? Un effet bonne mine, qu'est-ce que ça va donner? Et en plus, on a, deuxièmement, on a l'hydratation en même temps que le perfecteur de teint. Donc ça, c'est vraiment top. Donc la première fois que j'ai testé, pareil, je vous ai fait un Snapchat. Je vous ai montré le avant, le après. Du coup, j'ai été mais sublimée. C'est-à-dire que là, le mot perfecteur, vous savez que je tiens aux adjectifs que chaque marque utilise. L'adjectif perfecteur, pour moi, ça me l'a fait. Vous savez que j'ai des taches de mélasma dues à ma pilule et au soleil, et là ça m'avait, en fait on voyait ça quand même mes taches, mais ça m'avait
façon de parler, sublimer mon teint. Alors, qu'est-ce que Monsieur Aven nous dit? Il va nous dire que c'est un soin teinté qui va s'ajuster à la majorité des teints. Et ça, c'est vrai. Dès que je l'ai appliqué, je me suis dit, je vais vous montrer après sur ma main. Oula, ça a une texture, ça me rappelait la bébé crème de La Roche-Posay. Je me suis dit, ouh, la texture, la couleur, ça ne va pas le faire. Et si, ça s'ajustait vraiment à mon teint. Donc, ça va s'adapter donc, au niveau des carnations de peau. Ça va apporter une hydratation optimale et un effet bonne mine perfecteur. Ensuite, l'association de deux actifs, mésobézérine et lipomucine, pour assurer une diffusion homogène en fait, de l'eau thermale qui se trouve à l'intérieur du produit. Donc, ça va en fait empêcher l'évaporation de l'eau thermale. Donc, ça va rester et nous hydrater au niveau de notre peau. Ensuite, la combinaison de pigments minéraux et de nacre illuminatrice qui corrige instantanément les défauts coloriels. Et c'est ça le mot perfecteur. C'est vrai que j'ai eu l'impression que même si j'avais mes taches, que tout mon visage, et ben waouh, il était corrigé. Et j'ai pu faire waouh, et c'est vrai. Et vous avez pu le constater. Donc là, je ne vais pas vous refaire une vidéo revue crash test, simplement, bon après, c'est vrai que celles qui n'ont pas eu, qui n'ont pas Snapchat, vous n'avez pas pu voir. Mais en tout cas, j'en suis vraiment contente de ce produit. Moi, c'est une belle découverte. En plus, il a un SPF 30, donc c'est-à-dire que même l'été, on a vraiment, même en hiver, hein, parce que bon, là, on n'a pas trop de soleil, mais les UV passent, et quand même 30, mine de rien, nickel, quoi. Et bien sûr, hypoallergénique, non comédogène, je n'ai pas eu de réaction allergique, d'ailleurs, sur aucun des trois produits Aven, j'ai jamais eu de soucis, de toute façon, mais alors ça, c'est pour moi le coup de cœur de 2015, et une sacrée belle découverte, je l'attendais, et ben, je suis vraiment contente, déjà, que la marque m'a pu me laisser me tester ce produit là et je vous le conseille. Si vous pouvez aller en parapharmacie, demander des échantillons si vous souhaitez pas acheter avant le tube, mais je pense que celles qui m'ont vu sur Snapchat quand ils ont vu le résultat sur ma peau, il y en a certaines, n'est-ce pas les smilettes, qui ont été l'acheter. Voilà, en tout cas moi ces trois produits que j'ai vraiment apprécié, mon coup de cœur, c'est le perfecteur de teint. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous avez déjà testé ces produits-là, dites-le moi en dessous la barre d'infos. Je vous mets les prix de ces trois produits-là. En tout cas, je suis bien contente d'avoir pu les tester et de vous donner mon avis. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.